Test, test, ok. Salut à toi, Escalope. Et ben on est parti, je pense que honnêtement, tu l'as vu, elle est là. On va la gagner. Let's go. Parce que là, on peut pas se permettre de ne pas débloquer la petite Nismo, donc R35 Nismo. Qu'est-ce qu'on n'a pas gagné UARA Forza Edition? On va se gagner ça aussi. De toute façon, pour faire, il nous faut combien de trucs? Tac, tac, tac. Il nous faut 20 points. Donc si on fait 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors ça, pourquoi je peux pas? Entrer dans un temple de la renommée ou accompagner un ami au temple de la renommée dans un combat pour y jouer. Donc je peux pas le faire. Ça je peux le faire. Chasse au trésor. Abracadabra à 50 000. D'accord. Donc on a ça aussi. Ok. Et ben on va commencer par ça. Ah, ça va être chiant. On va devoir trouver une équipe. On va finir par ça. Ça, ce sera quand même plus abordable. Donc, classe B, pays Japon. Ok. Eh ben écoutez, c'est faisable. Ravi de vous revoir, le roi du drift. Elle est sympa, eh ben oui. Hein. C'est une petite. Un petit bolide. Alors. Classe B, qu'est-ce qu'on a? N'hésite pas au fait à publier et à partager à tes potes, Escalope. Super sympa. Ah, merci, j'ai vu ton message, ça m'a fait plaisir. Classe B, bah en fait, je vais juste faire ça. Et je vais aller à une marque japonaise. Ford, parfait. Le mec a rien compris. Bah celle-là, hein. Parfait. On va voir ce que ça donne en top B. Normalement, je pense qu'elle est bien. Après, on va voir ça. On va s'y téléporter. Je vais aller chercher. Hop. Un verre d'eau et j'arrive. Parce que là, sinon, je vais pas pouvoir parler toute la soirée. Alors, je vais mettre le chat ici, plutôt. Tac. Et tac. Parfait. Horizon Rush Dodge Style Circuit. Eh ben, écoutez, j'ai hâte de voir ces circuits, justement. Ah, il n'y en a qu'un seul? Très bien. Ah, j'avais pas besoin de sélectionner avant puisque effectivement on les a ici. Et ben on va rester avec, voir ce que ça donne. Par contre, j'ai l'impression d'avoir vraiment trop. Alors ça, on va pas le mettre là. 30 FPS. Je vais diminuer ça. Ça. Hop, ouvrir le chat dans un nouvel onglet. Je vais essayer un petit truc. Peut-être que comme ça c'est mieux. Alors attendez, je vais tenter un truc.
Là, les FPS, j'ai l'impression que c'est revenu. Ah bah il faut les booster là, faut qu'ils viennent. Voilà. Ah ouais d'accord, donc assez solide apparemment le mur. Alors par contre lui il marche pas. Pourquoi? Réparer la configuration, ok. Super, excellent. Donc j'ai mon dashboard qui marche pas, c'est pas grave. On va relancer juste. Par contre, j'ai oublié paramètres comme commande. Hop. Recommencer l'épreuve, oui. C'est parti. Alors attendez, j'ai un appel. Allô? Haha, yes. Ça fait exprès, bâtard. Ça marche, et puis tu vas jouer à Forza? Ok, super, et bah à de suite, tu m'appelles Discord ou tu rejoins le salon Discord? Ça marche, et bah à de suite. À toute. Incroyable, incroyable. Vous allez avoir la chance d'accueillir l'incroyable, magnifique Sneezly Beats, un beatmaker de qualité. Ben ça se traîne le cul. Non, ben du coup je vais rester sur Forza parce que j'ai mon pote qui me rejoint. Ah oui d'accord, mais ils sont ah, ils sont bien ouais. Ils sont costauds là les murs. Par contre, ouais, on a zéro patate hein, avec cette caisse. J'ai l'impression qu'on roule sur le mouillé en plus. Et on voit pas grand chose. Bon, voilà. On l'a fait comme ça. Aïe! Voilà, légèrement glisse sur les quatre roues, c'est ce qu'il faut. Oh. Dites-moi si le son en fait est bon, si c'est correctement réglé entre son, son du jeu, son de la voix, son de la musique. Hop là! Aïe! Celui-là il est costaud. Voyons! On dirait vraiment des sick. Eh bien, ça tourne, hein. Je suis resté pied au plancher. Et comme quoi, il y en a dans le sac, on va changer de vue un peu. Dans cette vue là, ok, parfait. Escalope,
Oh non. Il me rattrape. Si vous voyez la carte en bas à gauche. Oh oui là. Bah, par contre il est mal fait ce circuit, on s'accroche contre les rambardes là. Je le trouve pas très palpitant. Je pense qu'ils avaient plein d'autres circuits plus sympas à nous montrer. Par contre, en classe B, sur ce terrain-là, elle en voit quand même, hein, cette petite. Hop là! Cette petite RX7. Est-ce que tu as déjà commenté ou participé à des tournois assez tôt? Genre 6h du matin? Alors j'ai participé en tant que speaker et juge. Enfin. Ouais, c'est ça, speaker et juge. Quand on a une compétition de drift sur assez tôt, c'était la Corona Cup. Et c'était super sympa. Je sais pas pourquoi je l'ai pas refait. En fait, ça demande du temps à être là un jour précis. Et c'est vrai que moi, mon emploi du temps s'organise petit à petit en fait. Voilà. Et puis, quand j'ai mes potes qui m'appellent pour sortir voir un coup, c'est vrai que ça me fait chier de leur dire bah non. Là, je reste devant mon PC. Mais j'ai participé en tant que speaker, pas participant du truc. J'ai trouvé ça bien. Après, j'aurais aimé participer aussi. Ce sera pour une prochaine fois. Alors ça, c'est fait maintenant. Non. Alors, je ne veux pas acheter des cartes au trésor, s'il vous plaît. Allez. Donc, on va se mettre tous les trucs du festival. Et donc là, on voit qu'on a ça. Classe B. Mini. Il faut qu'on fasse 23 secondes. Qu'est-ce que c'est que ça? On va voir ça. Je ne sais pas ce que c'est. On va se téléporter, on va voir ce que ça donne. Ah, je suis sur le serveur club, c'est Simon. Simon? What's up, Simon? Yeah, that's my personal beatmakers. Yeah, you know. It's Nizzly Beats. Right, are you Nizzly Beats? Nizzly Beats is back, motherfuckers. Salut. Ça va et toi? Ça va? Ouais, ça va. Je m'entends bien, je suis chez Baptiste, c'est pas mon setup. Ok. Je t'entends bien. Et du coup, faudra ajouter Batwi. Alors, je sais pas. Ou peut-être je peux t'ajouter toi. C'est avec le compagnon en console, c'est ça? C'est ça. Alors, tu marques Xbox et sinon tu fais WinR. Non, c'est pas WinR. Ouais, c'est mais c'est bon, je l'ai. Mais le compagnon de console, c'est bon, je suis celui-là. WinG, ouais, c'est WinG. Mais juste. Ouais, c'est WinG. Flint, c'est Flint. Yes. FLINT 2680. Classe B mini, classe B mini. FL, pardon, comme Flynn, classique. 26,80. Ah, ça va, je t'ai trouvé. C'est bon, je t'ai ajouté. Ok. Je crois que je vais pas pouvoir te rejoindre, mais. Pourquoi? Parce que il faut que toi tu m'invites, non? Si, pas si, trop jeune comme ça. Bah là je t'ajoute un. Tu fais rejoindre le jeu ou comme ça. Ça
la clôture là. Non, je pense pas. Je vais t'inviter. Bouge pas. Ah ouais. J'ai. Chat. 10 messages non lus, mais what the fuck. Qu'est-ce qui se passe? Suivant. Voilà, là je t'ai ajouté. Et là, je vais faire. Tu t'appelles Batwi, c'est ça? Ouais. Le, non, exactement, je m'appelle. Batwi 7623. Après, je vais jouer à. Dans 30, même pas dans 20 minutes, 30 minutes, je vais décaler. Mais. Et ouais, on peut. Je vais pas rester longtemps. Je t'invite. Nice. Attends, vas-y, je vais t'inviter toi, je l'ai pas reçu la tienne. Je dois faire. T'es non, avec non. Des gens ou. Je t'invite, joue. Ah, c'est invité jeu. Groupe ou jeu groupe. Groupe, c'est pour faire un chat vocal. Jeu. Vas-y, je te l'ai envoyé si toi tu l'as reçu, parce que moi j'ai pas reçu la tienne. Bon, c'est toujours pas corrigé parfaitement, du coup. Compagnon de console, mais ça c'est un peu amélioré quand même. Alors, j'ai reçu. C'est bon. Je crois que c'est en train de se connecter. Nice. Hop là. Du coup, est-ce que ça a marché? Est-ce que j'ai réussi à remporter? Oui, je crois bien. On va pas s'arrêter en si bon chemin, on va continuer. Parce que là, il y a la Nissan R35 là, à gagner. Nice. Ah oui, c'est ça, j'ai fait une étoile. Mais bon, c'est bon, je l'ai remporté, donc je m'en fous. Et ici... Où es-tu? Nissan GTR de 2020, il faut. Est-ce que je l'ai? M Nissan GTR. J'ai pas. Est-ce que ce serait pas celle à gagner par hasard? Ah les bâtards. Je crois que ça va être plus complexe à gagner que ça en fait. Section du festival. J'ai 5 points. Il m'en faut encore 15. Ah ouais, il faut la Nissan GTR. Donc ça, je peux le faire qu'après. S1 Onigan. Je sais pas si t'es toujours là, Escalope. Bienvenue aux personnes qui rejoignent le live, en fait. Ah, j'ai une Supra, j'ai configuré une Supra sur le PC de Baptiste, elle est trop bien. Tu sais que tu peux connecter ton compte aussi, hein. Mais ça met un petit temps quand même à synchroniser. Ouais, bon, en vrai. Là, pour le temps que je vais jouer, je me suis dit, c'est pas worth. Et en plus, j'ai plus mon compte. Ah, mais de toute façon, j'ai plus mon compte. Pourquoi Forza. J'ai pas pris le Game Pass. En gros, j'avais juste. Je l'avais juste pendant 3 mois gratuit.
Mais du coup, si je le rachète le jeu, est-ce que j'ai, je vais récupérer là où j'étais? Oui, 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 sûrement. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne avec le Game Pass, mais je pense que. Ah, parce que du coup, là sur le mien, je l'ai même plus. Je suis au garage en train de customiser. Le garage de, du festival. Tu me re-téléportes en haut de la map pour faire le, un truc de drift. Ah, 663 chevaux, d'accord. Très bien. Ok, ça marche jusque là. Je suis en train de faire, tu sais, le tour des épreuves de sélection du festival pour gagner des récompenses et tout ça. Ouais, des voitures. Donc c'est celle qui est tout en haut, qui est Punto Norte. Dans le sable là. Elle est orange, elles sont orange les épreuves. Je me suis téléporté. Ah ouais, je vois. Terminé. Bon, j'ai réussi apparemment. Où est-ce que t'es toi? Le festival. Ok. Ah non, ça je peux le faire en dernier. S1900 en cabriolet. S1900 en cabriolet. Est-ce qu'il y a le truc cabriolet là-dedans? Non, je vais faire S1 et chercher un cabriolet. Ça, est-ce que c'est compté comme cabriolet? Ça, oui. On va pas chercher compliqué. J'ai vraiment l'impression que mon PC il lag des fois quand même. Je sais pas comment c'est au niveau du rendu du live. Après je suis habitué d'avoir du 144 Hz et le fait d'avoir du... Attends bah tiens je viens avec toi. Attends, arrête de bouger, tu vas me voir sur ta carte bientôt. Ok, ça marche. Je joue pas beaucoup là de toute façon. Là sur le PC de Baptiste il est magnifique le jeu gros. Avec l'écran super large là c'est... Je pense que avec la voiture que j'ai là, je pourrais expérimenter le 720. Parce que 360, il est trop facile avec celle-là. Vas-y, je vais à gauche, à arriver là-bas, là. Ici, à gauche. Ça tourne pas la Supra, gros. En fait, ça tourne que en driftant. Elle est améliorée?
Ouais. La Supra? Clairement. Allez, doublement alors. Ah, il est pas bien réglé. Oh le bâtard. Oh il m'attend. En fait, t'accélères à moitié. Réglé, genre. Ouais. Attention, attention. Mais t'as l'air, ouais. Mais c'est qu'en fait, c'est surtout que le gros problème, c'est qu'elle a, elle a trop de puissance. Et du coup, elle patine dans les premières vitesses. Ah, ouais. Genre, ça sert à rien. Soit, soit tu mets des pneus drag, soit tu. Non, mais je l'aime bien comme ça. Ça glissouille, attention, attention à la mousse. Salut Léo, bienvenue sur le live, bienvenue à toi. Bon, je vais te doubler quand tu es à l'arrêt. Mec, je suis à 360, le mec il me double, genre comme si j'étais à un parking. Attention, attention à la mousse. Let's go. Ouh. Oh, nouveau record personnel. Voilà, ça c'est fait. Ah bah j'ai gagné la Bugatti Type 35C. Et ça, ça fait plaisir. Mais ça, tu vas, ça doit coûter bien cher les... Bugatti. Bugatti 31C. Je sais pas du tout. Je connais pas les chiffres en italien, qu'est-ce que Ma. Ouais, pizza mais... de la mama. Tu les connais pas en espagnol. Si, si. Ouais. Jusqu'à 10. Comment on dit 11? Comment on dit 11? Dieci uno. Non, c'est pas compliqué. Pas. 11. 11. Ouais, je sais pas du tout. Me parle pas espagnol parce que là ça va commencer à me tordre un petit peu. D'ailleurs, en parlant de pizza, de la mama, j'ai mangé une pizza mais pas de la mama. Et ce soir, c'est incroyable les pizzas Carrefour. 10 fois mieux que les pizzas Sodebo. Ok, on fait la course. Regarde, Théma. J'accélère, si j'accélère à fond gros, voilà ce que ça fait. Là j'accélère à fond, hein. Je patine encore. Qui a dit qu'une Ferrari c'était rapide? Oula. Hop là, nickel. Vas-y, fais du Ganji. Du Manji, pardon. Hop, 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 allez. Et ça se replace. On fait comme les gars en Arabie Saoudite, genre avec les caisses sur l'autoroute. C'est ça. Et ça se finit souvent comme ça d'ailleurs. Dans la barrière. La Zonda, ouais, elle est vraiment nice. Mais je peux pas la gagner pour l'instant. Parce que il faut, pour faire l'épreuve, gagner la. Celle-là, là. La Nissan GT-R 2020. Et pour ça, il faut 20 points. Donc là, j'en ai 11. Avec ça, je pourrais en gagner un peu. 11, 12, 13. 13, 15. Avec ça, j'en aurais 15. Il en manque 5. Je pourrais faire ça et ça. Je sais pas comment. Je sais pas ce que c'est ça. Quand j'ai demandé au service financier d'Horizon d'imaginer un plan d'intéressement des pilotes, ils ont planqué un coffre au trésor quelque part et ont laissé une énigme. Résous-la pour trouver l'indice suivant sur son emplacement. Je vais essayer le prochain. Chapitre Horizon Aventure. What the fuck? Qu'est-ce que... Foncez au volant de votre Acura, comme par magie, vous verrez les étoiles à horizon. Ouais, ils font des trucs trop complexes, je pense que je vais aller voir sur... D'ailleurs, est-ce que là, parce que tu peux te renseigner, ce serait cool ça. Comme ça, c'est encore plus efficace, on pourrait vraiment gagner du temps sur ce qu'il faut faire. Vas-y, go, on va drifter à Simon, je prends la Supra. On va proposer du spectacle un petit peu. J'ai rien de... Je suis très... Rien ne me chauffe plus que drifter sur Forza Horizon. Oui, ma Supra. Oh. Ah mais non, c'était ma mon S15 avec le moteur de Supra, putain je confonds.
Là, le temps en plus c'est magnifique. J'essaie de trouver ça nickel, ça. Ah, on prend à droite là? Mais qui drift à 200. Bon, en vrai, je sais pas où aller. Tu penses que vers là-bas c'est bien ou pas? Voilà! Voilà. J'arrive un peu fort là. Sur plus de vitesse, mais même moi. Tu as mis une feinte. Yo, what's up? Yo, bro, oh merde. Ah, c'est trop près. Voilà, just a tap. J'ai pas touché. Pas touché. Hein. C'est Apollo en gros 5ème à 190, elle drift comme si j'étais à l'arrêt. Oh, oh, ils sont cool, mec, ces virages. Oh, mec. Ils enchaînent de fou. Vas-y, go, go faire dans l'autre sens. Ah. On verra après celui-là. Là. Alors attends. Là il tourne à 1080 degrés là le vent. Enfin 1000 degrés. Hop là. C'est bizarre parce que c'est vrai que les mêmes virages de l'autre sens sont totalement différents quoi. Attends, c'était où? C'est là, à droite? C'était à gauche là, ici je crois. Ah, c'était celui-là? Non? Ah non. Bon, allez, on va le tester, on va verra. C'est vrai que de nuit, ils l'ont vraiment amélioré, je trouve. Entre le 4 et le 5? Les phares et tout, la fumée. Ouais. Non? C'est juste moi qui avait des graphismes. Non, c'est possible, après j'ai du mal à me rappeler. Moi je base surtout sur les phares et tout, c'est plus détaillé. Tu m'as surpris. Je suis de la merde.
Droite. Ça rattrape, ça rattrape. Il y a un collègue, il y a un collègue. Ah, un peu court. Ouais, t'as ouais. Le même moteur que moi. Eh, ça s'entend, ouais. Wow. Je t'ai fait un truc de fou là. Attention, attention. À droite, à droite. C'est ici. C'est pas un rassemblement il y a pas longtemps. Pardon. Holy. Le petit 360. C'est doux. Ah non, je croyais que t'allais continuer dans lui. Ah. Regarde là. Ah. J'ai cru que t'allais mettre une spot au dernier moment, genre. Oh, y a un petit saut là. J'ai voulu faire. Oh, tu l'as vu celui-là ou pas? T'avais un genre de backward. Ah, mais j'ai vu des mecs qui faisaient des compilations backward sur Transfer Horizon. Je savais même pas que c'était possible. Faut avoir un bon réglage quoi. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu une histoire de. Ce que j'ai essayé, ça marchait pas trop. Ouais, on y va contre tout, là. T'as un cinquième à monter. Merde. Elle a encore ce qu'il faut. Je fais de la merde là. Ah, les points de presse, ils étaient triplés. J'ai fait gagner 7 points de presse d'un coup. Cash. T'es sur la piste cyclable là, tu feras attention. J'étais en train de te regarder, j'ai un petit peu abusé. Je te colle de fou, genre. T'es pas prêt. À droite, à droite. Oh, allez. Et une portière pour monsieur. C'est moi le nouveau jardin. Oh putain. Et moi c'est moi le nouveau boucher. Enchanté. Je crois que t'es allé un peu vite pour le dire. Je suis le nouveau carrossier. Ah, ils sont triplés les points de prouesse là, je sais pas pourquoi. T'as la radio? Ouais, je crois. Mais elle est baissée. Oh. Donc au final, j'ai le point de poisse, mais j'ai pas la radio. Il y a un temple là, j'ai pas fait gaffe. Oh. Ah, le bâtard. Genre 70? Genre ça, c'est limité à 70? Non, mais respect. Ah non, mais c'est 70. C'est des kilomètres. Non, mais mec, non, mais non, c'est non, super non. Vite pour ces. C'est pas super vite. T'es à 100 là. Ah non, ça va. Non, je vois que ça va. Elle est où?
On va être complètement inconscient. Oh, allez. Bonjour monsieur. C'est quand tu le prends dans l'intérieur, genre en mordant la. C'est sa jardine par ici. T'as la main verte, tu vois. Ça m'arrive. Oh les. Attention à gauche. Ah mais. J'aime bien. Mais c'était 360 là où il n'y en a pas forcément besoin. Mais en vrai la Supra là, celle que j'ai, elle est plutôt bien. Mais je sais pas pourquoi, peut-être c'est mon réglage qui est pas bon, mais elle prend pas tant d'angle que ça. Ouais, il y a moyen que ce soit le réglage. Oh, comment je suis passé à 2 cm. Salut Rodrigo, comment s'appelle ta caisse? C'est une Silvia S15 chez Nissan. Nissan Silvia S15 Spec R, très exactement. Spec R, puisqu'il y a le SR20 à je sais plus combien de chevaux. 260 chevaux, je crois. Ça vaut importer tout clé en main 18 000 euros environ. Ou 20 000 euros peut-être maintenant. Ouais. De quoi la celle que t'as toi? Oups là, pardon. Ah, en vrai c'est des voitures. Ah ouais. Que bon. C'est sûr. Valeur. Mais c'est incroyable hein, d'acheter ça. Hein. Une S15, ça me ferait kiffer. Hein. D'un point de vue juste purement déjà russe, juste esthétique. Ouais, et puis niveau custom, mec, tu peux faire des trucs de fou. Ah merde, attends. Hop. C'est une voiture à haut potentiel. Attends. Allô ? Ok, ouais. Ça marche. J'arrive à de suite. Y'a Robin qui vient me rendre les airsoft, j'en ai pour 30 secondes. Ouais.
The King is back. Voyons ce qui se trame par ici. Oh là, ça spam le chat. Hop là. Qu'est-ce qui passe ça dans le chat? Wow. Alors, tu vois quoi comme réplique? C'est une réplique de Versa. T'es toujours là, Simon? Ouais. Ok. Toujours. Je sais pas pourquoi elles valent aussi cher les répliques de Toyota Trueno, mais c'est principalement parce qu'elle est difficile à gagner. On pouvait la gagner qu'une seule fois. Et voilà. Donc j'en ai acheté une, je crois que je l'ai payé 3 millions. La mienne. Wesh, la Z, ça dit quoi? Et je blesse le Z did. Alors je comprends pas trop la fin de ton message. Mais la Z, elle avance. Et là, on est sur la peinture des jantes. Donc. Je dois avoir confirmation du gars qui l'a peint. Et j'ai sélectionné ma couleur. Dans 2 semaines, normalement, si tout se passe bien, qu'il arrive à avoir la couleur, que j'arrive à lui donner les jantes, quoi, enfin, etc. Dans 2 semaines, elles sont peintes. Normalement. Les 6. Toi aussi, du coup, Simon, tu savais pas, mais. Ou peut-être tu savais, je sais pas. Non, tu me la savais pas. Ça va être incroyable. Ça m'a saoulé, là. Je veux dire que la 350, elle m'a saoulé, je vais poncer là parce que j'ai trop envie de rouler. Genre, vraiment. Je suis en train de négocier là les double étriers à un gars. Donc, pour avoir frein à main double étrier, il y en a pour à peu près 1000 euros le tout. Je suis en train de négocier les étriers arrière, du coup. Ça aussi. Et ensuite, je passerai commande auprès de GK Tech pour le kit de double étrier. Je suis en train de voir aussi pour. J'ai contacté un gars, je lui ai demandé un. Wouah! Le tracteur, je l'ai dégagé. J'ai en train de demander un devis pour. Changer mes cylindres blocs renforcés, tu sais, du pont à l'arrière, que j'avais pas pu changer. Et qu'il me fasse un petit diag aussi au niveau de la boîte, parce qu'il a 350 LED, il en a déjà eu. Et il en a eu 3. Ah oui. Donc ça peut être pas mal de connaître certains trucs récurrents. Et la boîte, il y a tout. Bah, il y a toujours le bruit, après... pas hyper grave. Yeah. Wow. Ouais, non, c'est sûr, mais après... Ça le faisait bon, j'ai l'impression. Je pense qu'on l'entend moins, parce qu'il y a les décata maintenant, donc... je te rends pas que... On l'entend peut-être un peu moins. Salut Greg, on va pas le ban, il doit spammer vite fait. Pourquoi là hein ouais, moi je suis obligé de scroll en fait, de m'arrêter de. Du coup, si tu spams, de m'arrêter de jouer, c'est moins fun pour tout le monde. Donc il vaut mieux arrêter. Voilà. Live Viper, Formula Drift, c'était incroyable. Ouais, c'est avec ça là que tu peux faire le. Généralement, quand tu vois des. Olé. Ah mais tu l'as. Olé, non. Il a investi dans les jantes. Par contre, va falloir que tu augmentes la taille des jantes. Hein, ça va pas du tout. Elles sont petites. Ouais, elles sont petites. Enfin, c'est du 18 pouces, je pense. Mais du coup, avec un kit Nismo comme ça, ça fait un peu petit. Ah, oh, tu l'as boosté là, j'ai l'impression. Ouais, elle a un petit peu plus boosté, mais... Attends, mais je vais prendre la mienne. Je crois qu'elle est quand même pas... Waouh. Ouh, les dents. Mec, tu sais que t'as du... Franchement, Simon, t'as du style. Genre en termes de glisse. Même sur Assetto. Non, mais même sur Assetto, genre. Il y a un style de glisse, tu vois, qui est stylé. J'aime bien. Est-ce que tu es venu ici pour faire... On travaille, on bosse. Non, tranquille. Comment est-on là? Il y a le prix dans la description, il me semble. Après j'ai vu que j'ai acheté tout d'occasion, j'ai fait la moitié moi-même, fait main et tout. J'en ai eu pour pas si cher que ça, si vous voulez tout acheter, faut compter le double je pense. On se calme s'il vous plaît dans le chat, c'est pas, on s'en fout genre, hein. On se prend pas la tête. Changer... C'est vrai qu'il faut faire un effort au niveau de l'écriture des messages pour que je puisse les comprendre du premier regard, sinon on prend aussi trop de temps, je m'arrête trop longtemps.
sur le menu, c'est pas super agréable. Et faut faire un effort aussi de pas spammer. Enfin, ça, y a pas d'effort à faire, faut juste pas le faire. Ça sert à rien. C'est pas compliqué. Ouais, c'est pas utile. T'en penses quoi de ma petite Z là? Ah, mais c'est comme ça que tu vas la faire, bah, de toute façon. Ouais, tu m'avais dit que c'est tu voulais comme pas ça, m'entendre. Et puis. Ouais, en vrai, c'est propre de fou, hein. Je pense que ça. Ça fait un petit rappel à la fiesta. Non, mais elle les avait pas adorés, moi, la fiesta. Ah, elle les pas adorés. Ah non, je suis con, c'est de Nathan. Ouais, je fais encore du couteau, ouais. Mais du coup, je suis en train de faire d'ailleurs j'ai un tournage de 5 vidéos de couteau papillon. J'espère que je vais pouvoir finir rapidement pour vous montrer ça. Après moi, elle est pas. Ah, mais elle est pas améliorée du tout. Ah, mais elle. C'est pas grave, je vais juste lever le pied. Ah non, attends, mais. Ça tourne vraiment zéro en fait. Mais tu dois avoir un réglage peut-être, non? Peut-être que c'est parce que tu l'as passé. Non, sur... mais je. Ou c'est peut-être que tu l'as pas fait sur lui. J'ai deux Nissan 350Z. Voyons si je fais régler la voiture. Hop, changer réglage. Mes réglages. Et les gabarits de des voitures dans le jeu, est-ce que c'est exactement correspondant aux gabarits réels ou pas? Oui, je pense que les proportions doivent être vraiment. Parce que tu vois, tout à l'heure, je me suis mis la Supra sur la. La tienne là, la Civia. Et en fait, elles font la même longueur, mais moi je pensais que non, la Civia non, c'était beaucoup plus petit. Ouais, ouais, non, c'est pas énorme. Enfin, une Supra, c'est pas. Non, en vrai, c'est pas énorme. C'est comme une Z. Peut-être, ouais, à peu près. Peut-être pas un peu plus long. Pour toi, le K25 et ou un Squiddy est une valeur. Le Squiddy, le problème, c'est que moi j'ai cassé le mien parce qu'il est en plastique. Et... Ah ouais, d'accord, super. Et je trouve ça pas top en soi pour le prix que ça coûte au final. Tiens, je roule en M4, ça va changer. Et le K25, bah, en vrai, mec, il coûte 20 balles, je crois, ou un truc comme ça. Et je trouve ça fait vraiment le taf. Après, si tu veux mieux, faut plus cher, faut dépenser plus. Ah, mais elle est de quelle année cette GTR? 2016? 2017? Le T150, c'est un très bon volant, je l'ai eu pendant longtemps et je le recommande. Plus qu'un Logitech G29, puisque le retour de force, j'ai trouvé qu'il était meilleur sur le T150. Plus agréable. Tu l'as en 4 roues, toi? Mince. Moi, je l'ai en 4 roues, ouais. T'as un semblant de glisse. Mais ça, ouais. Ça se remet tout seul. Oh, excuse. Grenardo? Ouais, chez moi, je crois que c'est moi qui l'ai custom. Mais je sais pas si c'est un. C'est plus foncé qu'un Grenardo, j'ai l'impression, mais c'est pas métallisé. Ouais, ouais, c'est plus foncé, ouais. Elle a du grip, hein. M4. Ouais, tu veux genre t'as vu, je peux faire ça, ça part. Ah, moi je parlais de la M4, mais c'est sûr que la tienne aussi. Ah, ah oui, la M4, ouais. Elle a du grip. J'ai du mal à la faire partir. Je trouvais que dans le Forza, le Horizon 4, la GT M4, j'aimais pas trop la M4 normale. Par contre, la M4 GTS. Qui était vraiment incroyable, mais par contre elle prenait vraiment pas beaucoup d'angle, enfin de base en tout cas. Après, moi je modifie pas trop les voitures. Attention Simon. Oh, mais comment j'ai frôlé le mur.
pareil, tout pareil. À ta droite. Je vais faire le tour de mon point. Oh, oh. Yes. J'ai la caméra embarquée, genre. Ah mec, y'a trop moyen de faire des plans trop stylés comme ça. Oh. Mec, tu sais que je ne vois même plus ta voiture tellement qu'il y a de la fumée. Allez, ça doit faire. Voilà, y'a vraiment... Putain, l'angle qu'elle prend, par contre, c'est insane. Mec, regarde, elle reprend, là. What the fuck. Ah, par contre, mec, l'enchaînement, là, qui s'est passé, c'était stylé, hein. Analphabis, BRS, ça va, ça passe, MDR, pas cher. Ah, oh, pas cher. Seulement 600 euros d'occasion. Des gens à les baliser plus cher. Ça en fait partie, après il y a toujours plus cher. Il y en a qui coûtent plus de 1000 euros. Mais... Et ça se justifie vraiment ou c'est juste uniquement pour c'est... Bah en fait, ça disons qu'ils sont quasiment faits main en fait. C'est fait. Il y a des parties qui sont faites sans doute en... par des machines, mais que ce soit les matériaux ou le design ou. Ou la qualité de fabrication, les machines, c'est des trucs de fou et en plus c'est pas fait en série, donc ils peuvent, ça leur coûte très cher à produire en fait. Donc c'est pour ça que ça coûte cher. C'est beaucoup plus artisanal et c'est surtout peut-être plus, il y a beaucoup plus de contrôle de qualité en mode c'est. Ah oui, bah le truc il est parfait quoi. Le packaging aussi, ça va être. Voilà, t'achètes un truc à 1000 euros, j'espère qu'il est parfait quoi. Parce que tu peux acheter une voiture au même prix quoi donc. Ouais tu sais. Voilà c'est ça, mais après. Le packaging de la voiture après, à 1000 euros il est pas terrible. Ah bah ouais c'est ça qui est ouf, c'est que le seul packaging y'en a pas en fait. Mais même quand t'achètes une voiture neuve, y'a pas de paquet genre. Ça dépend. Si y'a juste ah, un petit, ça dépend chez qui tu vas. C'est sûr que, ouais, bah en tout cas, là où on pourrait aller, c'est juste à la limite une bonne poignée de main avec une bouteille oh, de champagne. Oh, et encore, et mec. Et encore. Bah, encore une bouteille de champagne. Sur une voiture neuve, oui. Ouais. Là, ah, oui, je te dis sur une voiture neuve. Genre, dans quel concessionnaire ils font des trucs vraiment des trucs sympas ils ont des généralement, c'est une bouteille de vin chez Ford Peugeot, là où je. Je suis allé, c'était une bouteille de vin avec un petit paquet sympa. Et voilà. Après ça, je pense, c'est grave, c'est dû au. Oui, c'est. La marque, ouais, c'est certes, ça. Mais c'est surtout la marque, le groupe, quoi. Qui, c'est leur valeur, les valeurs plus du groupe que de Ford, parce que Ford, eux, ils t'obligeraient, hein, je pense. Mais c'est cool, en vrai. Après, il y a des trucs. Wow. Mec, sur le chat, il dit il a l'air quali de ouf. Il, plus loin, L-A-L-A-I-R-E. Plus loin, K-A-L-I. C'est original. J'ai dû relire 5 fois, mais. Si c'est fait exprès, ouais. Si c'est fait exprès, bravo. Sinon, un peu moins bravo. Sinon, un petit peu moins bravo. Mais après, en vrai, quand on était. Ah oui, moi je me rappelle quand j'étais petit, mec, laisse tomber. Je regardais mes messages, tu sais. Mais en fait, on faisait exprès. Mais je crois que je le faisais exprès, en fait. Oui, parce que quand tu faisais pas exprès, du coup, t'avais l'air con. Et quand tu le faisais exprès, ouais. T'avais l'air con, mais exprès. Attends, je... Non, mais c'est surtout que quand tu le fais. Enfin, si tu paraissais tes messages, ils paraissaient trop. Parfait. Enfin, t'étais pas crédible, quoi. Enfin, je parle à l'époque des Messenger et des Wiz et tout, tu vois, ou des... Du Wiz. Oh merde. Bon allez, on va se faire une petite balade. T'as pris quoi comme caisse? Ah, j'ai pris une grosse voiture. Là. Vas-y, bouge pas. Viens, on va voir ce qu'ils... Attends, mais je prends une caisse. Y'a pas des rochers ou des trucs stylés à voir. Laisse-moi choisir. Je vais pas tarder à y aller, moi. Ah bah en fait, je vais devoir y aller. Ah, salut de fusain, welcome. Ouf. T'as l'air tout petit à côté. Ah mais c'est fort, toi.
c'est un 6x6. Ah, mais c'est un 6x6, mais de chez Ford. Mec, il est énervé, gros. Mais c'est n'importe quoi, mec. Alors que ta caisse, elle est censée être immense. What? À côté d'une Fiat 500, t'as l'impression qu'il y a même pas de voiture. Mec, il rentre même pas sur les, la alors, mon fils, comment ça va? Mais c'est un camion, en fait. Non, mais ça n'avance pas. Moi, je suis pitole, là. Moi aussi. Vas-y, viens, viens, voilà. C'est plus de poids. Oui, c'était le but, c'était le but. Oh, attention, attention, oh, attention, je vais m'envoler, Simon. Ouf. Attention, le 6x6 en l'air. Moi, oh, je me suis cartouché. Mec, il a même pas assez de coupe pour monter. Oh, regarde. Viens voir. Regarde, il redescend. Je te jure, c'est vrai. Il a assez de coupe, moi. Easy. Mec, il a à peine assez de coupe pour le faire en première, genre. Allez, allez. Merde, on est Keblo. Oh, c'est honteux. Les Américains, genre. Gros, c'est le franchissement, mec, le franchissement. Les gros 4x4. Tu sais que mon tonton il fait ça. Enfin, pas du franchissement comme ça, mais plus dans les déserts et choses comme ça. En fait, non, c'est pas vraiment du franchissement, c'est plus du Dakar en fait. Parfait, j'ai un petit panneau là. Non, c'est bon. Attends, tu veux que je te pousse? Ah, moi je l'ai pas eu. Ah, je suis bloqué, excellent. C'est bon? Attends. Regarde mes roues. Comment on fait pour remettre la caméra drone? Alors, ah, c'est hyper long pour foutre la caméra drone. Ah, mais non. Regarde comment je suis posé, frère. Attends. Oh putain, faut aller dans 15 menus ici. Arrête, gros. Tu veux pas voir la caméra droite là? C'est exceptionnel comment je suis. Eh, là, t'es bien tanké là. Hein. Tu bouges plus là. Ah bah, je peux plus bouger. Je me suis vraiment glitch, hein, je peux vraiment plus bouger. C'est vraiment stylé quand même. On voit loin d'ici. Bon. Est-ce que je peux monter? Ah, je peux avoir monté plus. Ouais, je vais te laisser, Clémentino. Je vais y aller. Il y a moins que tu me... Tu vas de suite, là? Ok, ça marche. Bah, ouais. Bon jeu. A plus, ciao. Merci. A plus. Ciao. Y a moyen que tu me conseilles sur un couteau papillon le meilleur pour les tricks STP? En fait, ça dépend de ton budget. Tout dépend de ton budget. Après, franchement, si tu vas sur AliExpress pour 50 balles, déjà, t'as le choix entre facile 4-5 couteaux qui sont les 5 bien, tu vois. Vraiment bien. Après, si t'as moins, sur Bouticoupe, t'as certains Albinox qui sont pas mal. Mais voilà, pour 20 balles quoi. Après, ça vaut 20 balles quoi, c'est pas le top. Mais pour commencer, ça peut faire le taf. Moi j'ai commencé avec ça et voilà. 80 euros de budget, bah. On a 80 euros. En fait, t'en as à 50, 60, 50, 60. Ensuite, t'en as à 90, 100. Et après, t'en as 150, 200 et tout. Pour 80 euros, malheureusement, t'es entre deux trucs. Moi, je te conseille, si c'est ton premier couteau, d'acheter un couteau à 50 euros, 60 euros sur AliExpress. Des clones, généralement. Ça a une bonne qualité de fabrication. Voilà, t'en as pour ton argent, je trouve. Le couteau met pas mal de temps à arriver. Ouah, les tirages de merde que j'ai. Attends, mais c'est hallucinant. Hein. Voilà, c'est ce que je te conseille. Allez, j'ai 4 super tirages. Voilà, mais attendez, mais c'est quoi cette caisse de merde que j'ai? Wouah, c'est hard, comment je que de la merde? Attends, mais quoi? Ah, le jeu m'a... Ah oui.
Ah mais d'accord, quand ils ont dit que le tirage s'était fait nerf, y a pas de blague en fait. C'est vrai. Oh, par contre la Murcielago, ça fait plaisir. Ah oui, ça c'est sacrément fait nerf. Hein. Incroyable. Après t'en as d'autres que le Kraken clone, franchement il y en a tellement, c'est difficile de tout te dire. Mais il y en a pas mal et il y a moyen de trouver des bons trucs. Dans les 50-60 euros, tu marques Balizong sur AliExpress où tu vas documenter un petit peu à droite à gauche et il y a moyen de trouver des bons trucs. Clone d'un Nautilus, clone de Kraken, Ah, comment ça s'appelle? J'ai plus les noms. Putain, j'ai plus les noms, ça m'énerve. S1 Red Monster. On va aller là. C'est un panneau danger. S1 Rally Monster. Bah. Je sais pas trop. Alors, je vois pas ton pseudo du coup. Parce que là, je vais faire toutes les sélections du festival pour gagner la Nissan GT-R de 2020. Et une fois que je l'aurai, je pourrai facilement débloquer du coup la Pagani URA Forza Edition. Et c'est vraiment une deux caisses que j'aimerais bien débloquer. Donc voilà. Ah, j'ai raté pas mal de trucs hein, ces derniers temps. Ah, la Mini Cooper, j'aurais bien kiffé l'avoir. La 65 Forza Edition. La FX6K, j'aurais bien aimé l'avoir aussi. La MB300 SL aussi. La Noble, je l'ai déjà. Et la Honda Civic. Enfin, c'est pas une Honda Civic, what the fuck, c'est une Honda CRX. C'est pas une Honda Civic ça. Ils ont craqué là, les mecs, ils ont craqué là. Donc S1 Monster, d'après ce que j'ai vu. Rally Monster, on va chercher ça. Tac, 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 tac. Alors, je l'ai pas vu. Modern Rally, Rally Monster. En top S1, et bien on a ça. Et on va partir avec ça. Ouais. Allez, c'est parti. Avec les tout trous tout gris, c'est un Albinox. Et en fait, c'est une réplique aussi d'un Benchmade 51. On va voir sur internet. Marque Balizong Benchmade, B-E-N Bench comme un benchmark et made comme fabriqué en anglais, M-I-D-E, et tu vas trouver. Je crois que c'est ça, Benchmade. Je crois que c'est ça, mais tu vas trouver, même si c'est pas tout à fait ça, tu vas trouver. Ouais, il y en a beaucoup, c'est difficile de dire, mais regarde des vidéos sur internet. Après, là je vais en présenter 5 là, des couteaux. Mais le temps que je fasse la vidéo, je sais pas si toi t'as envie de commander avant. On va partir tout là-bas. Je sais pas exactement parce que j'ai pas fini de la tourner, donc entre le montage et enfin tourner, montage et ensuite l'ordre des vidéos, ben je sais pas. C'est normal que Forza 5, je suis à 64 zones découvertes sur 56. Absolument aucune idée. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite on a ça à faire. Ouais, ça se fait en équipe. Foncez au volant de votre Acura et comme par magie vous verrez des étoiles à horizon. On va tester hein. Photographier la Mitsubishi Starion au radar. Plus cool de...
Voilà, c'est chiant. Empêcher l'adversaire de marquer avec 3 drapeaux. Ok. Wouah, chiant de fou. Effectuer un tour propre pour terminer. On va organiser des épreuves rivaux mensuelles. Les temps autour sont comme les fruits et légumes, non? C'est meilleur quand c'est frais. Ben on va faire ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si on peut... Je sais pas si c'est difficile, mais pour gagner 4 points, ça peut valoir le coup. Après, je suis content parce que là, pour la chaîne YouTube, il y a pas mal de vidéos qui sont prévues. Il y en a une pour la 350Z, enfin assez proche. Il y en a 5 pour Couteau Papillon, d'autres pour le simulateur. Et ça, c'est cool. Voilà, ça c'est fait. Donc je pense que là on a gagné 4 points Forza Horizon en 30 secondes. Et ça c'est pas dégueulasse. $100 pour un Squiddy, franchement, n'achète pas en fait. What the fuck. Bon bah je vais voir ça. Ok, ça marche de fusain. Renseigne-toi bien. Écoute, n'hésite pas à me contacter sur Instagram dès que t'as trouvé des petites infos. Tu me dis, tiens, celui-là, j'ai vu qu'il a l'air sympa, tu m'envoies. Et comme ça, je peux peut-être t'aiguiller pour t'éviter des mauvais achats. Ça peut être pas mal. Ça dépend sur quel bot tu tombes. Ok, bah là, je suis tombé sur un mec tranquillou, quoi. Salut Kaïs, du coup. Ça, en fait, tu dois avoir $50 pour le couteau et $50 pour la livraison, en fait. Donc, ouais, c'est cher, parce que ça vient des États-Unis directement. Mais ça fait trop cher. Ça fait trop cher. Après, 102$, du coup, ça te fait 80€, à peu près 85€. Mais ça fait quand même trop cher. Ah, petite info, je sais pas si c'est que moi, mais le son de jeu à 2 secondes environ de décalage à retard de son. Ah, ça, c'est possible. Attends, je vais essayer de faire un truc. Dis-moi si c'est mieux. J'espère que c'est mieux. Parce que du coup, ça peut être relou. Non, sur AliExpress, c'est bon. Sur AliExpress, il y a pas mal de couteaux, de bons couteaux. D'ailleurs, sur les 5 que je vais présenter, il y en a 4 qui viennent d'AliExpress. Donc voilà. Sélection du festival. Du coup, on a gagné. Ok, donc là, il manque plus que 5 points. Et si 5 points, on peut les avoir. Horizon Arcade, qu'est-ce que c'est que ça? Soit de mesure, hein. Démarrage dans 5 minutes. Bon, écoutez, on va aller là-bas. Vous êtes en avance, mais la prochaine épreuve Horizon Arcade okay. Va bientôt commencer. Amusez-vous. Donc il faut faire du drift, c'est ça? Dans cette zone-là? The fuck? C'est Horizon Arcade Drift. Est-ce qu'il y a quelque chose, une restriction? Non. Super. Il y a le Squiddy, je le prends pour 40 euros. Ouais, alors attention, hein, c'est pas le vrai Squiddy hein, sur AliExpress. Hein. Tout ce qu'il y a sur AliExpress, c'est des copies. Hein. C'est pas du vrai. Hein. Quand je dis c'est bon. Genre, c'est en mode, ils sont bien, mais c'est pas les vrais. C'est des clones. On appelle ça des clones.
Mais il y en a certains qui sont bien. Ils sont pas tous bien, mais il y en a certains qui sont bien. Je sais pas pourquoi je peux pas ajouter les points ici. Bon. Je vais me prendre une petite voiture de drift. J'essaie de drifter avec ça. Ah, mais non, elle a des pneus slick. Faut que je me fasse une Camaro aussi. Ça pourrait être sympa. Je fais rien, y a rien. Chez Ford, il y a peut-être des Mustangs à l'ancienne. Genre ça. Ça nous changerait un petit peu. Vous êtes en avance. Ah, il n'y a Horizon pas de 4 point de commencera section de bientôt. festival, t'es sûr? Si, il y en a 3. Tu vois? 3 points. Puisque c'est un truc qui fait partie de la sélection du festival. Ouais, bah écoute, t'as le Nautilus clone sur AliExpress qui est une 40-50 euros, qui est franchement bien. Après, t'as le. T'en as plein. À l'express, tu as fait l'épreuve pour avoir tous les radars sur ma passe. Sinon, c'est pour ça que tu ne peux pas tout débloquer. Tu as fait l'épreuve pour avoir tous les radars. J'ai pas fait d'épreuve particulière pour avoir tous les radars. Je sais pas s'il y en a une, j'ai pas bien compris, mais je pourrais tout débloquer hein, en faisant ça et ça. Je pourrais tout, enfin tout débloquer. Pas tout, je pourrais débloquer à la Nissan GT-R 2020 et la Pagani Huayra Forza Edition. C'est les deux qui m'intéressent. La Mugen là, et en plus ils écrivent Honda Civic alors que c'est une Honda CRX. Voilà. Mais là ça commence bientôt là. Ça commence dans 2 minutes. Voilà. S'entraîner un petit peu. Ce qu'elle a pris. Faire des 8 comme ça. Là ensuite, on va faire ça. Hop là. Ok, ensuite ça va repartir là-bas. Ok. Se faire durer là jusqu'à quelle heure je ne sais pas, bah jusqu'à ce que je débloque en fait la voiture que je veux, et une fois débloqué on va jouer un petit peu avec, et ensuite je pense que je couperai pas. Hop là. Attends, ici je pense que ça Nautilus, ouais, avec AU comme Nautilus, le truc marin là. C'est vers la droite de la map, c'est une genre de course. Ok, NAUT NAUTHILUS, je crois, je suis pas sûr hein. Je suis nul en orthographe. Non, ils vont pas me donner des distinctions. On regarde dans le festival, ici, il y a marqué 3 points. Au même titre que ça, tu vois, il y a marqué 3 points ici, en bas, en orange. Donc je pense que si je fais ça, ils vont me donner 3 points aussi. Tu vois, c'est dans épreuve saisonnière, il y a un gros tiré là. Ah, la PA, on peut l'acheter? Ah merde, j'ai pas assez. Merde. Dommage. Mes voitures, mais je me demande si je l'ai pas déjà McLaren, je pense pas hein.
J'ai pas de McLaren. Ah si, McLaren. Non, j'ai que la Senna. Dommage, j'aurais bien kiffé. Par contre, si je suis tout seul, au plus vite possible. Ah mais du coup ils doivent agencer ça en fonction de du nombre de participants, non, du nombre de points à faire. Je speed là. C'est propre en tout cas, je crois, jusqu'à présent. Encore un ou deux passages et ça devrait passer. Deux passages, je vais commencer. C'est parti. Attends, je vois vos messages du coin de l'œil. Je finis ça. Et ensuite je réponds. Ok, bah on va faire ça et je pense qu'après. Et ensuite, après, je crois que ce sera fini. Non mais c'est une blague. C'est combien de temps ça va durer? Je suis tout seul en plus. C'est pas un truc qu'on est censé faire à plusieurs ça? J'ai bien l'impression en plus. Ah putain.
Putain, mais qu'est-ce qu'il me fait là? Nautilus, oui, c'est ça, c'est écrit comme ça, Scarab. Donc tu vois là, je pense. Tu vois, épreuve terminée. Et donc là, j'ai 18 points. Il manque plus que 2 points. Donc je vais faire ça, je pense. Une équipe, on va essayer de se trouver une équipe et on va faire ça. Ok, ça marche. En plus, c'est dans la... Ah, ok, ça marche. Oh, bah, parfait, du coup, je l'ai fait en speedrun, c'est parfait. L'épreuve pour débloquer le radar et le reste de ton chapitre, c'est vers la droite de la carte. Il y a le mot canyon dans le nom. Ok. Expansion du canyon. Piloter jusqu'à. La fiesta de la lune. Expansion. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je sais pas ce que c'est. Démarrage de l'épreuve dans 1 minute 52. C'est quoi exactement ce que, le truc de la Luna là, ou je sais pas quoi? C'est quoi ce point? Qu'est-ce que c'est que ce point? Je suis dans un groupe là ou quoi? Ah oui, c'est vrai. J'avais mis tout le freinage à l'avant. Du coup, je peux faire des gros burns. En cinquième ça va, en sixième je peux pas. Oh. Bah, c'est n'importe quoi. Ah, c'est bon, ça va reprogrammer. Ils vont te ramener à un endroit, il te sautera d'une falaise avec un char de carnaval et c'est... Ça passe à 5 minutes. Ok. Écoute, je fais ça là et ensuite j'irai. Ok, super. On a débloqué plein de voitures. Super. $125 000, c'est pas mal. 25 000, c'est moins bien. Ok, super, ça a trouvé le matchmaking. C'est, j'ai l'impression, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que ça marche beaucoup mieux depuis peu là. Les recherches et tout de festival. Bookie de la jungle. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, oulala, il va me faire jouer avec des caisses là, j'ai pas confiance. Je sais pas ce que je prends. Ah là, je suis en 4 roues. On va prendre ça plutôt. Ça va être traction. Ouais. Je vais prendre ça, mais j'ai peut-être pas les meilleurs pneus. Hein. Ah, t'es souillé, ouais, écoute. Merci. Est-ce que la qualité est bonne du live?
ça a l'air d'être beaucoup mieux que la dernière fois. Ouais, c'est parfait là. Voici l'instinct de survie. C'est comme un film de voiture zombie, mais par équipe. Les infectés tentent d'infecter l'autre équipe. Les survivants tentent de survivre jusqu'à la fin du chrono. Vous échangez les rôles à chaque manche. Celui qui répand l'infection le plus vite gagne. Pigé. Allez l'équipe infectée, poursuivez les survivants. Faire dégommer lui, il y avait tout seul, c'était sûr. What the fuck, y'a un avion qui vole? Enfin, un avion. Hein. J'ai pas le nom sur la voiture, je sais pas. Parfait ça. On les a dégommés. Par contre, j'ai pas les noms sur la voiture, donc je sais pas qui est infecté, pas infecté, c'est infernal. Oh mais là, ça va être vraiment infernal pour moi là. Attendez, il faut que je change ça rapidement. Je sais pas si on peut. Ah non, je crois que la difficulté on peut. Ah non, c'est la TH. Ça va, je pense que je vais pouvoir changer ça. Allez, laisse-moi accéder. Putain, il veut pas. Bon, ça va être sportif, Legends. Ah, mais j'ai la map pour m'aider. Ah, mais non, je ne vois pas. Ça va être très sportif. Ça va être impossible. Ça va être complexe là. Hein. Laisse-moi te toucher. Laisse-moi te toucher. Putain, mais ils sont débiles ou quoi? Bon, après, il faut juste durer 20-25 secondes là. Je pense que je suis dans une bonne équipe. Yo le Sancho. Ça va quoi, Baptiste? Et c'est Baptiste ou Simon là du coup? Parfait. Baptiste, ok. Baptiste, dans le chat ça fait. Merci. Non, franchement, ça me fait plaisir ce que tu me dis. Allez. Suivant, merci. Ouais, ça s'est bien passé. Maintenant, on y va, on se casse. J'espère qu'il n'y avait qu'une épreuve à faire. Comme ça, là, j'ai débloqué la Nissan GT-R. Nismo. Il a piqué ton PC. T'inquiète. Oh non, c'est pas fini. Roi en équipe, mais non. C'est chiant. Ah non, il y en a trois. Non. Voici le roi en équipe. Oh, plusieurs rois, plusieurs couronnes. Vole des couronnes pour marquer des points pour ton équipe. Mais comment je fais pour changer la TH, moi? Je vais me taper trois épreuves là, comme ça. Mon équipe n'a plus droit. Récupère des couronnes. Oh putain, trop chiant. C'est vraiment je peux pas là. Ah si je peux, putain. Tout à l'heure je pouvais pas paramètres.
Attache à gameplay. Non, sur la voiture activée. Oui! Oh oui! Ouais, je l'ai pas récupéré là, cette couronne. Ah, mais il n'y a pas de couronne, c'est une étoile là. Ah, mais il y en a un derrière. Ouah, il a eu chaud! Il va être ralenti, il est mort. Il est mort. Ralenti là, faut que je m'approche de mes potes. Semble t'avoir parlé du limiteur de vitesse. Dépêche-toi de refiler. Allez mon pote. Allez fonce. On les a tous là les couronnes. Je vais aller aider mon pote là-bas. Je crois qu'il est en difficulté. Oui, là-bas il y en a un qui ralentit. Non. C'est bon, il a réussi à esquiver. Non. Oh le con. Je l'ai esquivé. Oh oui, bien, il a réussi à la choper. Oh, ils sont venus lâcher les bleus. Oh, allez, on va choper cette couronne là-bas. Parfait. Je l'ai bien anticipé là. T'es avec moi toi. Quel trou de balle, par contre c'est tout noir là, je vois rien. Parfait. La couronne perdue, mais je l'ai pas senti. Le piqui-pied rouge là. Alors lui, je vais le récupérer directos. Oh la merde. Enfin, c'est passé. Je vais estimer la hitbox. Allez lui, on va se le faire. Ah oh, putain, c'est mon allié qui me ralentit, je crois pas. Là c'est plus tendu. Faut que je me taillage vite par contre. Donc on a tous une couronne. Ah, y'a un allié qui vient d'en perdre une. Hop. Parfait. Et j'ai gagné les deux premières, donc ce sera bon. Parfait. Il a usurpé mon identité, j'ai compris, j'ai vu les monnaies. Ah ouais, d'accord. Quel bâtard. 1 minute 40. Bon, on a fait ce qu'il y avait à faire, on a fait notre taf. C'est cool. Parfait. WX. Bon, je crois que je l'ai déjà. C'est pas la caisse de l'année, mais c'est pas grave. Oh, 1000. Oh là là, mais ouais, ça a été tellement nul, j'ai jamais mis de 1000. Ouais, je vais faire l'expédition. Salut le roi du drift. T'es si proche du temple. Du temple. Ah, c'est ça qu'elle me parle. Sélection du festival. Merci. Nissan GTR. Donc juste, on va l'essayer vite fait. Nissan MN. C'est ici. Waouh, ça fait plaisir quand même d'avoir un modèle aussi
aussi récent et aussi stylé. De la renommée que je pourrais presque t'y faire entrer en douce. Mais que les choses soient claires, je le ferai pas. Là, ah oui, d'accord. Regarde, ça marche bien. On va se rendre jusqu'au point qui est le... Il est par là. Là. On va s'y rendre. Voyons, on va se faire un petit départ arrêté. Ah oui, d'accord. Ça marche plutôt bien. D'accord. Alors le kit large, bah, c'est le kit Nismo, hein, donc c'est pas forcément un kit large. Elle a peut-être les ailes un petit peu plus élargies, l'arrière semble plutôt pareil. Enfin, les ailes arrière. Pare-choc avant, bas de caisse latérale et pare-choc arrière, c'est modifié. L'aileron est de la Nismo. Voilà. Salut Skytech, ça va et toi? Ça tient bien la route aussi. Je crois qu'on va s'y rendre plutôt rapidement. Ça va toujours sur la S13. bah écoute, je reviens. Dès que possible. Moi là j'ai sur la Z dans 2 semaines normalement. Je vais peindre mes toutes les jantes là de la 350Z. Donc elles seront neuves. Je suis en train de voir pour faire tous les cylindres blocs et du pont arrière et la ma rotule avant inférieure. Si j'arrive à le faire, ça part en géo. J'ai 2 pneus arrière. Que j'installerai du coup sur les jantes une fois qu'elles seront peintes, et ensuite je faut que j'achète 2 pneus neufs. Hop 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 hop, là ça se passe pas forcément bien là. j'ai contacté un gars pour les étriers de frein arrière Brembo, donc les mêmes que les miens, pour monter mon double étrier. Système double étrier. Ensuite, il faudra que je commande encore d'autres choses. Hein. Mais c'est, disons que les étriers, c'est le plus chiant à trouver. Parce que l'autre, il suffit de rentrer ta carte bleue et hop là, c'est fini. L'autre, il faut contacter des gens et tout, puisque bah, ça se trouve pas neuf. Quoi. Rien à battre. Pourquoi ne pas saluer les autres pilotes en attendant? Voyons si on va tout droit là. Bon, on va se téléporter. Donc plus que 5 km, mais flemme. Ah, il y avait vraiment pas grand chose en fait. Surtout que c'est un radar. On va le prendre dans quel sens? Dans ce sens là, peut-être le radar. Non, tu peux rajouter en. Ça vaut le coup. Ah, ok, d'accord. Mais je vais aller voir après. Le son est bon en fait. Ok, on a gagné la Pagani. Et maintenant, on va faire juste. Cette épreuve là, qui apparemment est à faire, donc on va la faire. Et ensuite on va se custom cette petite Nismo, et on essaiera aussi la Pagani.
Et ensuite on finira le live. Ah. Il y a un petit décalage. Il y était tout à l'heure ou pas ou c'est revenu? Ça c'est mon processeur ça. C'est pas trop son truc le drift par contre. Par contre on va la maxer. Elle va accélérer. Ça va être n'importe quoi. Non mais en fait qu'est-ce qui se passe? Moi je veux qu'on voit. Quitter le convoi s'il te plaît. j'ai pas ton temps. C'est revenu il y a 10-15 minutes. Ok ça marche. En fait je pense qu'il faut juste que je fasse un petit truc comme ça. Je me mets là. J'attends un petit peu. Et on peut voir cette magnifique R32. Et ensuite je reviens là. Et je pense que c'est bon. C'est quoi la fiesta de la Luna? T'es toujours là du coup Adrien? Ce soir, Horizon organise une fiesta toute la nuit au complexe. Je me suis dit qu'on pourrait y faire un tour. J'aime bien faire la fête. Comme tout le monde au Mexique. A bientôt. Piloter jusqu'à la fiesta de la Luna. Bon, ils nous ont mis un petit coucher de soleil pas piqué d'un ton. C'est quoi cette voix creepy là? Ok super ça marche. Bah du coup je connais pas ton pseudo. Classeis. Yo ça vaut quoi? Oui je vois. Depuis du chat ça part de coup de poing, c'est bien. Hop. Écoutez c'est pas mieux. Faut freiner. Mais ça a pas de frein en fait, c'est ça le problème. Un Porsche, on dit que ça a des bons freins, mais pas dans ces années-là. Voilà. Oula, elle a pas que dansé, elle. Elle a bu un maximum. Elle a bu. Elle a fumé un maximum de clopes. Oh, c'est nul que ça coupe comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Venez danser sur le sable jusqu'à l'aube. C'est parti. Hola, chers amis. Ça va, écoute, ça va, ça. Le soleil se couche, la lune montre son plus beau profil. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je conduis ça, moi? On est dans Forza, là? On est dans Carnaval Simulator? Putain, mais c'est quoi ça? Ah, attends, mais on va vraiment se faire chier là. Mais ce soir. Fiesta de la Luna! Profite de la soirée, amuse-toi! La moitié de ces personnes sont venues pour la fiesta, mais l'autre n'est là que pour toi! Bonjour à tous! Vous apportez la pleine lune? J'apporte la superstar! Bon. Je sais que tu sais comment faire plaisir au public, mais j'ai placé quelques feux d'artifice, au cas où. Ok, d'accord. Après, il va être amélioré, c'est une lambeau le truc. Ah ouais? Ah, il va être. Ah, d'accord. Imagine si on mettait un peu plus de puissance sous ces fleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Buenos dias! La fête n'est pas finie. Voyons jusqu'où peut aller ce char. J'ai déjà
déjà préparé quelques coups de pub. En fait, tu fais ça. T'as 230 dans un phare, dans un truc comme ça. Notre antenne nous attend. Tu meurs ? Ouais, un radar. C'est rapide ce char. Radio Eterna. Ah, stylé le hélico par contre. Mais pour certains, la fête n'est pas finie. Le char de la partie d'horizon est rapide. En travers. Au travers le char. Qu'est-ce qu'il raconte? Le saut du canyon? Impossible de conduire un truc pareil en horizon sans le tester sur un panneau danger. Allez, c'est parti. Ah, la sécurité là, ça connaît zéro. Je sais pas ce que c'est que ça, mais. Rami, c'est de la folie. Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? C'est ça l'effet horizon. Bonne chance. Bonne chance, ouais, bah je crois que là, il va en falloir, frérot. Bien droit, les roues droites. C'est y part. En réalité là, t'as intérêt de sauter du truc parce que tu vas crever sec. Très bien, on voit pas l'atterrissage. Déguisement de poulet. Oh mais je suis refait d'avoir gagné ça. Bon. Ok, je suis pas sûr qu'on pourra récupérer le char de la baronne, mais c'est pour la bonne cause. Bon, heureusement qu'on peut pas l'acheter. T'imagines, y'a un mec qui se pointe. Il se met en plein milieu sur l'autoroute avec ça. T'as rien que 10 personnes qui conduisent ce truc. C'est n'importe quoi. Ah, le style est à Porsche par contre. Je compte faire de cet endroit le coin pour les coups de pub. Je m'occupe de la com et toi, tu t'occupes des cascades. Ok. Ah, c'est peut-être pour ça que je pouvais pas augmenter les coups de pub. J'ai déjà préparé un paquet de coups de pub. Ah, d'accord. Tu veux commencer par quoi? J'ai compris. C'est pour ça que je pouvais pas étendre mon festival. Il fallait que j'y aille. Et là, on vous invite au temple de la renommée. Salut le roi du drift. Horizon Rush est entièrement opérationnel. Les coups de pub sont bons pour la renommée du festival tant que tu pilotes avec classe. Tu t'en sens capable? Qu'est-ce que notre superstar préféré pense de son nom écrit en lettres de lumière? C'est intéressant ce que tu me racontes là. On peut. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a trop de choses là. Ok, donc là il n'y a rien de nouveau. Là il y a un truc de nouveau là, c'est ça. On va s'y téléporter. Ouais, je vais customiser ça. Je crois que t'as réussi. Dépêche-toi de venir. Tu entres au temple de la renommée. Bienvenue dans le temple de la renommée. Foyer des plus grands pilotes de l'histoire d'Horizon. Mais tu sais quoi? Je te dirais juste que c'est pas fini. La sélection du festival est bourrée de récompenses exclusives et de pilotes qui vendraient leur chemise pour se mesurer à une légende comme toi. T'as réussi, mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Et maintenant, on va où? Voilà, on fait un petit peu le spectacle. Maintenant, est-ce que je peux faire. Salut le roi du drift. Maintenant que tu fais partie du temple de la renommée, tu peux participer aux épreuves qui lui sont réservées. Ah ouais, d'accord, tout ce qu'il y a en plus. Mais ça, c'est hallucinant. Ok, super. Allez, on va custom ça. On va la maxer. C'est parti. Le temple de la renommée. Ça fait Jones. Je pense que la traduction en français est moins stylée que le nom dans la langue originale. Voyons le kit. Ah, c'est le kit charge. Écoutez, j'hésite. Ah, j'hésite pas trop quand même. Je pense que ça va partir. Mais je regarde quand même ce qu'on a au niveau de. Très bien, c'est la merde.
Ouh là là, je crois que ça va partir au four. Ok les gars, je crois que là on va se faire une dinguerie. Je crois que là on va se faire quelque chose de très très énervé. J'hésite. Alors là, ça je suis pas très fan. Ça fait un peu trop. Ça et ça, ça fait pas mal. Et ça, est-ce qu'on se fout le bunker carbone devant? Je suis pas trop fan. Honnêtement, je suis pas très fan. Je pense qu'on va rester là-dessus. Là, déjà, on a une caisse qui est pas dégueu. On va partir en gomme slick, en pneu au max large, sa mère. Voilà. Au niveau dimension, on est sur du 20 pouces. Je pense qu'on va rester en 20 pouces. Il y a vraiment des belles jantes, je pense, à mettre dessus. Vraiment des trucs chouettes. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Là, dans cette catégorie, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Voyons dans la première catégorie, je pense qu'il y aura plus de choses. J'avoue que c'est difficile de trouver des bonnes jantes sur des véhicules récents en fait. C'est difficile à trouver. Le kit est beau, ouais. Déjà, on a ça. Je vais la sécuriser. Oh, celles-là sont pas mal aussi. Ah, celles-là sont bien. Et plus 9 kilos. Putain, c'est chaud. Là, on a des trucs qui peuvent être pas mal aussi. Genre ça là, ce genre de jante, il peut y en avoir des biens. Pouf, c'est pas facile hein. Ah ça c'est stylé quand même. C'est bon, il y a des nouvelles jantes. Oui, il y a des nouvelles jantes. T'as jamais trouvé ce que t'aimais? C'est pas évident là. Hein. Ça peut le faire, mais pff, franchement, c'est délicat. Hein. Je pense qu'on va rester sur ce qu'on a pris au début. Puisque là, ça commence à être long, on va s'endormir un peu. Ça, c'est pas mal. Et pas rouge. Ça, c'est pas mal aussi, je trouve. Pff, non, ça fait plus le taf. Ok. Maintenant, au niveau de la transmission, on peut mettre une boîte course, très bien. On va étager ça. Oh non, on va laisser le truc de base. Différentiel course. Ensuite, on se met le truc course, très bien. Ça au max. On va. Attendez, je vais d'abord alléger. On passe de 1792 kg à
1492, c'est pas dégueulasse. Il y a des gens de super, soit de ma présente en jeu, mais qui m'ont pas modélisé. Ouais, clairement. Ça améliore la tenue de route apparemment, le freinage, ça enlève un petit peu de départ arrêté. Je pense qu'on va les mettre. Bon là je pense que on fait 600 chevaux comme une Nismo d'origine. Voyons ce qu'on obtient là. Ça change pas le son visiblement. Voyons ce qu'on arrive à obtenir. Plus 169 chevaux avec une amélioration de turbo. Je pense que ça va pas mal arracher. On est sur 1000 chevaux, 1047 chevaux. C'est pas mal. Il y a de quoi faire, je pense. Donc on passe de 1754 à 1532 kg, de 600 chevaux à 1047. J'ai le latéro 1.8 de 2. Je pense que c'est pas vraiment une voiture pour qui est performante en soi. Ok, je vois. Je viens de voir ça. Ouais. Et au niveau... Ah, j'ai pas vu les... Oh, y a... oui, c'est vrai qu'il y a des... Je peux récupérer des voitures en fait. Mais j'ai plein de caisses à récupérer. J'ai celle-là, la Mustang SVO. Il y a moyen de faire des trucs sympas avec. Il y a le Tundra. Il y a la M400. C'est Noble. Putain, je connaissais pas ça. Ça peut être sympa. Il y a ça qui est incroyable aussi. Putain. Faut que je les récupère. Mais pour l'instant... Ça change pas du tout même. En fait, quand ça change, tu le sais, puisque ça te charge le son. Si le son est en continu et que t'as pas ce bug là, que ça coupe et que ça revient, c'est que ça n'a rien changé au son. Voyons, vite fait les swaps dispo. Ah, y'a pas de swap. Voyons ce qu'on a au niveau de la peinture. Elle est pas mal comme ça. Elle est incroyable. Voyons ce que ça fait. Capot carbone. C'est pas mal. Hein. Voyons. Capot carbone ou. Écoutez, je pense qu'on va se le mettre. Parce que... Oh non, on peut pas peindre les... What the fuck, c'est dommage ça. Bon, on va le mettre en carbone, mais visiblement ça a pas l'air de changer grand chose. Les jantes, on va les laisser comme elles sont. Les étriers... Aussi, je les aime bien en orange. Les vitres, on va les teinter, mais légèrement. Là, on est pas mal. Ouais, c'est sûr. Il y a encore des choses à améliorer. Sur ces Forza. Wow.
Ok, donc on va les arranger. On va les allonger et ensuite on va tester ce que ça donne en vitesse max. Et aussi au niveau de la Pagani, on l'a pas testé. On va la plaquer au sol, je pense celle-là. Je n'ai pas vu mais je crois qu'on pouvait. Garde au sol, hop là. Ça marche. Le petit vieux, n'importe quoi, mais t'as quel âge, t'es pas vieux. Merci à toi. Écoute, bonne nuit. Moi je vais pas tarder. Tiens, on va l'inaugurer ce radar. Mais franchement, elle tient quand même la route. Hein. Bon, comment on arrive à choper? Mais ça marche, merci. Ciao les gars. Pas ici de passer de ligne droite pour choper la vitesse que je voulais. Mais bon, tant pis, elle est stylée. On va se tester la Pagani. Putain, j'ai bégayé. D'origine déjà pour commencer. Elle est pas terrible comme ça, on va la modifier pour essayer d'obtenir quelque chose de mieux. On va rester sur la propu. Alors, on peut pas améliorer la gomme. J'ai posé ces trucs là que je mets jamais, mais là j'ai envie de les mettre. On peut pas changer grand chose. Ouais, bon, elle est pas terrible cette caisse. Allez, on va rien changer. 1000. Ouais, elle fait 1200, elle ferait 1200 chevaux, ça m'intéresse pas. Abandonner les réglages. Allez, hop, on quitte tout ça. Je vais prendre quand même mes caisses que j'ai à prendre.
Voyons ce qu'on peut faire au niveau des améliorations, vite fait voir si elle est intéressante. Non, ça dégage. Merde. Et puis c'est quoi ce moteur dégueu là? Ensuite on a ça. Pareil, je vais le débloquer mais je peux y jouer avec. En vert, tiens, ça change. Ça a l'air d'être un petit moteur, hein. C'est sommaire, hein. Il y a le lecteur de CD Pioneer. C'est une voiture de course. Les enceintes pionnières à l'ancienne. Ça va être un 4 cylindres pour vous. C'est assez simple à conduire. Attends de voir ce rassemblement. J'ai le train et un conducteur sous la main. Il me manque plus qu'une superstar. C'est parti. Je vais dire à Jade de nous préparer un truc cool. Et voilà, Horizon Mexico est achevé. Comment tu te sens? J'y serais pas arrivée sans toi, Ellie. Ça semble évident. Moi non plus, j'aurais pas pu y arriver sans toi. Beau boulot. Ok, assez perdu de temps. Si on te faisait entrer au Temple de la Renommée, c'est reparti. C'est parti. Ouais, t'as réussi.
Horizon Roche est terminé. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai rendez-vous avec plusieurs zones de drift.
Ouais, ça va. FR3, je sais pas. Frézy. Peut-être que ça se prononce Frézy. Ça va et toi? Je suis en train de faire une dinguerie là, avec cette caisse. Même un pro plus à. D'accord. On va voir ce que ça donne, hein. 120 000 de d'upgrade. C'est rare, hein, d'avoir autant. Je pense que j'ai plus à l'arrière quand même. Ouais, bon après c'est pas énorme 60. Je pense que c'est ce qu'il faut. Voyons ce que ça donne sur une ligne droite. Ouais, il y a un gros décalage son. Ça fait un peu chier. Je sais pas si je peux en faisant ça. Dis-moi si ça marche. Si je fais ça et ensuite que je reviens là-dessus. Est-ce que ça marche? Je pense que je peux rallonger un peu l'air, pas encore. C'est bon pour le décalage son ou pas, du coup Freezy? Sur les zones de vitesse, c'est ça? La prochaine fois, laisse-moi le temps de rejoindre le QG. J'ai envie de voir ça.
Salut Killgirl, bienvenue sur le live. Ok, bah écoutez, on a ça, ça fonctionne. On sait que ça fonctionne. Après, c'est pas forcément genre la voiture de l'année. Ah, mais je l'ai déjà la DB5. Enfin voilà. Ok, très bien. Et ben, on a testé toutes les caisses qu'on avait testées. On a la GTR qu'on vous voulez, ça, ça fait plaisir aussi. Écoutez, je suis désolé les gars, je suis claqué là. Je pense que je vais couper le live, je sais que vous venez de rejoindre, mais je suis claqué. J'essaie de trouver un truc fun à faire. On va finir de prendre toutes les récompenses à droite à gauche. Ok. Eh ben, on en récolte des caisses aujourd'hui. Ah, les os, je les avais déjà. Incroyable. Du coup, je dois avoir énormément de caisses en double. Déjà, celle-là, je l'ai en double. Je vais en vendre une. On va mettre en vente des voitures. Tiens. On va essayer de se faire un petit peu d'argent. On va voir ce qu'on a en double et essayer de mettre en vente et après j'arrêterai juste après le live. Celle de vente. Commencer la vente. On va se mettre celle-là. Ensuite, on a cette RS6. Je stream du Assetto Corsa Arc 28000. Je stream du Assetto Corsa et du Forza principalement. De temps en temps, du Dirt Rally. Et sinon, à mes heures perdues, je joue à League of Legends. Counter-Strike, Valorant. Voilà, c'est plus ou moins ça. Après, je stream pas d'autres jeux en soi que des jeux de bagnole. Et voilà. 1 million 3. Bah, j'en ai deux, on va en vendre une. Ouais, les jeux de caisse, ben, surtout quand t'as un setup avec un volant et tout, c'est vrai que c'est sympa, donc j'essaie d'en faire le plus possible. Alors, ah, on en a deux aussi de ça là.
Ouais, d'accord. Je sais pas si si on va gagner beaucoup d'argent. Je pense que je vais les supprimer certaines. Ah mais je l'ai déjà celle-là. Là j'ai pas de caisse en double, là c'est la Strada là. La Strada là, mais que je vais pas pouvoir vendre beaucoup je pense. Bon, écoutez, 90 000 au maximum. Salut Loki Rider 37. Combien t'as coûté ton volant d'Hardy? Torino. 40 euros. Bienvenue sur AliExpress. C'est un faux. Hein. Bien évidemment. Je vais pas mettre un vrai Nardi sur un simulateur. Surtout sur. Je vais pas mettre un volant qui coûte 3 fois le prix de la base. Mais j'aimerais bien avoir le vrai pour le mettre dans ma Z. Je peux être mytho. Le volant. Ouais, c'est un. C'est le Ferrari Thrustmaster, il est là. En fait. Donc ça c'est la base donc du original. Dessus j'ai mis des palettes magnétiques. Donc c'est un mode de chez 3D Rap, c'est vraiment sympa. Et le volant c'est une roue OMP de chez AliExpress aussi. Je l'ai payé je l'ai payé 40 euros. Elle est un petit peu plus grande que celle d'origine. Surtout elle est en cuir. Elle est plus sympa. J'ai fait un petit adaptateur ensuite pour fixer le tout. Et voilà, ça me fait un chouette volant. Pour jouer à des voitures avec des palettes, quoi. Ah bah, il faut Loki Rider. Loki Ride, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a à vendre d'autre? Oh, on a ça, ça peut se vendre bien, ça. Voyons. Pas du tout. Tout le monde a dû l'avoir en 14 fois. Ensuite, on a quoi en quadruple encore? Il y en a des caisses. Hein. Ça vaut pas. Ah, peut-être que ça peut bien se vendre, ça, voyons. Oh, 200 000. Comme quoi, pas se fier aux apparences. Ah, j'ai plus d'eau. Ah, là, ça va commencer à être critique. Ok. Ensuite, tout ça, on va pas vendre puisque j'ai qu'un seul exemplaire. Ça c'est pareil, tout ça c'est pareil. What the fuck? 18 millions. Ah oui, quand même. Ok. Ah, j'ai gagné le Murcielago là, il y a pas longtemps. Ah, j'ai la Sesto et le Manta aussi. Putain, il y a plein de caisses que j'ai que je savais même pas. agréablement surpris du coup. Tout ça, ouais, j'ai qu'un seul exemplaire. Tout ça, je vais garder. Ça, j'ai galéré pour l'avoir, elle coûte tellement cher. Aussi, ça m'intéresse pas trop. Mais bon, en fait, mon but c'est quand même d'avoir un seul, au moins un seul exemplaire de chaque caisse qu'il y a dans le jeu, donc. Si je commence à vendre des caisses que j'ai qu'un seul exemplaire, ça va être complexe. Ok, donc on a vendu une Taycan, enfin vendu, mis en vente, je sais pas si elle sera vendue. Parce que c'est pareil, c'est des caisses qu'on a facilement dans le jeu. On a pas mal de Porsche, hein, mine de rien, j'ai pas tout testé, mais... Faudrait qu'on se fasse des balades à thème, peut-être. Alors celle-là, j'en avais déjà une. Je vais la vendre, mais bon, je pense que ça se vendra pas. Après, pour quelqu'un qui démarre sur le jeu, tu vois, il n'a que ça à 3000, il a une bonne caisse, quoi. Bien, tout ça j'ai un exemplaire. Et tout ça j'ai un seul exemplaire. Bon, on a fait le tour. Du coup,
mes mes ventes. On a quand même tout ça mis en vente. Si on arrive à tout vendre, c'est pas mal. Surtout ça là, qui peut se vendre 200 000. Ça, 300 000. Il y a moyen. On va faire encore un petit peu de drift puisque vous êtes là. Et ensuite, je couperai le live. Dites-moi une voiture avec laquelle je pourrais drifter si vous le souhaitez. Une de Ken Block. Du coup faut aller chez Onigan. On a soit celle-là aussi hein. Mais ça c'est plus pour le drag. Dis-moi celle que tu préfères. Mustang, allez, Mustang. Je peux pas lui mettre une nouvelle création. Non. Trouver une nouvelle création, parce que celle-là, j'en ai un peu marre de l'avoir. Je pense qu'il doit y avoir forcément les mecs qui ont fait la nouvelle. Non. Je vais marquer mot clé. Enfin description. Ken Block. Alors ça. Ah merde. Voilà, ça c'est peut-être. Je crois que ça c'est la nouvelle. Eh bien écoutez, on va se mettre celle-là. Elle est chouette. Oh, celle-là aussi est pas mal. Mais on va partir là-dessus. Je vais pas en faire longtemps puisque c'est pas une voiture que j'affectionne particulièrement parce qu'elle est en 4 roues motrices et puis surtout je suis fatigué et je comptais arrêter avant, mais là vu que vous êtes arrivé je vais quand même faire un petit peu de drift avec celle-là. On va aller se mettre à en haut ici et on va faire une petite descente. Ah. Et comme ça au moins on se dit qu'arrivé en bas je coupe le. On va se fixer comme fin du live, la fin de la descente. Arrivé en bas. Pas évident hein. Drift avec une 4 roues.
petite erreur de parcours. Ah, c'est bizarre qu'elle n'ait pas repris là. J'avais dû revenir sur la terre après donc. Eh ben, c'est pas une réussite, hein. Moi, je fais un petit 3-6 à la fin. Oh putain. Bon allez, on va la faire comme ça. On va mettre un petit peu la caméra comme ça, on va tricher dans la fumée. Comme ça, on verra pas. Ni vu ni connu. Bon, voilà ce que ça donnait. En 4 motrices, c'est pas top. Mais ça, on s'y attendait. Mais je suis content quand même du petit 3-6 à la fin. Voilà. C'est tout. Du coup, bonne soirée à vous les gars. C'était chouette de restreamer sur Forza Horizon 5. J'allais dire Forza Horizon 4, je me suis même pas habitué au 5.
Et on a débloqué pas mal de voitures, on n'a pas eu le temps de toutes les tester, donc ce qui est bien c'est que du coup on a déjà de la matière pour la prochaine vidéo. Enfin prochaine vidéo, prochain live. Et puis voilà. Écoutez, bonne nuit, bonne soirée à vous et à très vite, je l'espère. Ciao ciao.